Bonjour et bienvenue à tous ceux qui me regardent en vidéo sous demande, à tous ceux qui vont qui sont encore en train de travailler, qui m'écoutent live, mais qui me mettent en background. Bonjour à tous, bienvenue au Geek Generalist, ici Damien Mascador et aujourd'hui on finit Astérix et Obélix, XXL3, le menhir de cristal. Et comme vous le voyez, bon, Astérix et Obélix sont réunis. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. J'ai sauté ici. Fallait pas marcher sur les rosiers. Quand j'ai fait couler ça, avec Astérix, je pouvais traverser ici. Eh ben, il fallait pas. Il fallait tout simplement. Il faut que je recroule ça. Là, je me suis promené un petit peu, puis les Romains sont venus, tout a été respawné. Fait que dans le fond, tout mon progrès a été effacé. Mais au moins, le marqueur de mission est encore là. Fait qu'il faut que j'aille ici. Je peux faire ça en sautant dans les fontaines qui sont maintenant activées. Ce que je ne pouvais pas avant parce que j'étais coincé de l'autre bord. Et c'était quelque chose. J'essaie de me rappeler c'est quel switch que j'avais utilisé pour faire baisser le feu, baisser l'eau ici. Fait que j'imagine que c'est cette switch-là en haut. Fait que je vais probablement. Ouais, je peux le faire. Alors, hop. Hop. Il me semble qu'il fallait que je saute là. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que je fasse ça. Oups. Juste me rappeler. Et voilà. Astérix. Là, je dois sauter dans la chute qui est ici. Et ah, là, faut que je recommence. Ah, faut que je rebaisse ça. Ah non, faut carrément que je redéfasse tout là. Faut que je rebaisse ça. Faut que je le ramène ici. Et là, faut qu'Astérix revienne là-dessus. C'est sûr que c'est moins long si j'étais en coop, mais je suis capable de le faire tout seul. C'est juste que c'est un peu chiant. C'est pas comme si je pouvais sauvegarder si j'ai réussi mon saut. Hop. Et voilà. Et là, si je me ramasse ici, il faut que je ramène Obélix. Ici. J'apporte cette plateforme-là là. À toi, Astérix. Et là, ça s'est ouvert.
Mais... Ok, c'est cute, là, mais... C'est à ça de prendre une glue de potion magique. Ah, ça c'est la fameuse switch qui permet de descendre le niveau de l'eau ici. Là, si je mets le truc ici, ça va se prendre en feu. Là, si je vais dans l'eau, je vais mettre le feu là. Oups, mais je fais mal. Il y a encore de la potion magique dans le fond. Et il y a la switch, il faut qu'il y ait là. Fait que là, j'ai accès là où ce que j'étais emprisonné dans le temps que j'étais Astérix. Sauf que cette fois-ci, tu sais, au lieu de... À partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Ah, attends, faut que je brûle ça. À toi, Obélix. Et voilà. Là, en tant qu'Astérix, je peux faire brûler ça. Là, lui, il va donner ça. J'ai raté. Et c'est à là qu'il sert la petite porte que j'ai débarrée. Juste ici. Encore. Il y a encore ce bassin d'eau que j'ai pas encore réussi à trouver la switch pour aller chercher, mais... Ah! À toi, Astérix. À toi, Astérix. Ici, qu'est-ce qu'il me demande? J'aime m'entraîner dans les jardins de César. Je rêve de participer aux Olympiques un jour. D'accord. Je sais pas à quoi qu'il s'entraîne. Avez-vous participé aux Jeux Olympiques? Vous rigolez? Vous ne ressemblez pas du tout à des athlètes. En fait, oui, ils ont participé aux Jeux Olympiques.
parce que, tel que vu dans l'album du même nom, Astérix et les Jeux Olympiques. Oh, il y a deux Romains qui parlent. Oh, fake news! Veuillez atteindre le carré central et essayer de nettoyer le jardin sur le chemin. Très bien, fake news! Se promener dans le jardin me donne faim. Qu'en dis-tu, Astérix? As-tu faim, toi? Nous allons avoir un pique-nique un autre jour, Obélix. Oh, ok, là, on a atteint toutes les... atteint le carré central. Ok, bon. Eux autres, je peux pas leur parler. Ok. Lui, il va me donner une mission spéciale sans qu'il y ait ici. J'ai faim. J'ai faim, je veux manger. Je suis un athlète à la retraite. J'ai participé aux Jeux Olympiques quand j'étais plus jeune. J'ai acheté une copie de la torche olympique, mais elle est impossible de la montrer dans toutes ses branches. Nous allons nettoyer les jardins pour la journée de l'héritage de César, alors... T'as entendu, Idéfix? Nous avons nettoyé, nous allons allumer. Quand vous serez prêts pour mon menhir? Ah, nous, alors que c'est mon menhir qui a tout fait. Oh! Ah, ok, j'ai tourné la switch trop vite. Ok. On recommence. Nous allons rallumer votre torche. T'as entendu, Idéfix? Nous allons allumer alors que c'est vraiment mon menhir qui fait tout le travail. Et voilà, là. Ah, fallait pas que je le touche. Ok. Je pensais que je pouvais faire brûler autre chose. Oh, faut que je le tourne. Oh, j'ai oublié de... Est-ce que ce que je comprends, qu'est-ce que le truc essayait de faire? On va voir ce que ça donne. C'est tough! C'est vraiment tough! Sais-tu quoi? Je vais essayer de... Hop!
Ah! Il est tombé dans l'eau puis il s'est éteint. Ah, ok, fuck. Fallait que je le bouge avant. Fallait que je le bouge avant qu'il tombe dans l'eau. Hop! Je me demande si je vais plus vite avec Astérix. On va essayer ça. À toi, Astérix! C'était trop flush. Je fais pas assez de destruction. Non, je peux pas arrêter mes chemins, hein. Eh bien, est-ce que je peux changer de personnage pendant qu'Obélix fait son combo? Je pense que j'ai appris une mécanique, là. Je pense que je sais quoi faire la prochaine fois. Cette fois-ci, je pense que je vais l'avoir. Sinon, je vais abandonner, là. Come on! Je suis coincé! Je peux pas bouger! Donc je sais comment progresser au moins. On va l'avoir. On va l'avoir les Romains, on va l'avoir les Romains! Non, si je perds du temps là. À toi, Astérix! Oh, j'ai oublié de faire la switch. Oh, c'est que je suis con. Ça se réussit mieux à deux, c'est sûr. Elle a job de deux.
J'arrête pas de le dire. À toi, Astérix. Oh non, j'ai oublié de... Faut que je garde un œil dessus, puis ensuite je gagne. À toi, Obélix. Ah, j'étais juste à côté. Je l'avais, c'était la dernière bout. C'était le dernier bout, je l'avais, j'étais prêt là. J'étais plus coincé dans le coin du mur. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà! Enfin! Succès! Succès! On a allumé la flamme olympique! Par Apollon, vous avez réussi! Merci! Je peux dire que vous avez la part de les valeurs olympiques en vous. Alors, on a allumé la flamme olympique. Hurrah! À toi, Obélix! Hurrah! Bon, c'est le chemin pour Astérix. Attends un peu! À toi, Obélix! Ah, lui, il se ramasse là. Il y a une porte pour Astérix, mais une porte pour Obélix. Tiens, tu vois. Là, il doit mettre le truc ici. C'est un peu comme jouer à Lost Vikings. C'est carrément comme jouer à Lost Vikings. À toi, Astérix. Que je peux mettre le feu au... Je mets le feu au caisse. Je mets le feu au caisse. Tu te souviens, Cyrix? Quand César avait fait construire une ville de jeux en plein milieu de Rome? Ah, si je m'en souviens, c'était vraiment n'importe quoi. J'imagine que ça a rapport avec Las Vegas.
À toi, Obélix. Je suis trop fatigué pour vous. Il y a des ronces dans l'eau. Ça, je peux faire brûler ça. Ça, ça va-tu la rallumer? Où est-ce que la démence des hommes va-t-elle finir? Je peux pas faire brûler ça? Aha! Ça, c'est pour Astérix. Aha, ok, je vois. Ah, ok. Là, Astérix et Obélix vont changer de place. Parce que je peux rentrer ici. What? Ça, je me ramasse ici. Non. La porte s'est-tu fermée derrière? Je comprends pas. Bon ben ok, je me ramasse ici. Ça auto-save.
Maintenant, la Switch. Faut que j'aille cette porte-là. D'accord. Ça attire pas les lauriers, mais ils sont en or. L'or, c'est non magnétique. À ce qui paraît. Comment j'ai fait mon coup? D'accord. Ensuite. À toi, Astérix. Ok. Obélix peut vraiment pas passer par là. À toi, Astérix. C'est juste Astérix qui peut. Je veux péter ça. Si je prenais une glue. Ah! Bon, on parlait à fake news, non. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué.
Ah, la shop! C'est là que je vais avoir mon dernier upgrade. Oui, j'ai giga charge à 1250. Et automatique régénération. Oui, moi le prendre. Il me manque 280 casques pour avoir la dernière dose de potion magique. Ouais, ça me prend 280 casques. Fake news, c'est juste là. Oh, j'ai une autre side quest ici. Est-ce qu'elle est tout aussi facile? Êtes-vous dans le pétrin, mon vieil homme? Oui, j'avais un ami à Crasse et à Pompée, mais c'est pas une raison pour envoyer une armée après moi. Il est chanceux, n'est-ce pas, Astérix? Pas besoin de sortir, ils envoient des légionnaires à sa porte. Ne t'en fais pas, Romain. Mon ami et moi, nous allons vous sauver. On fait qu'on va taper du Romain. Oui, c'était un beau plongeon. Je suis trempé maintenant. Ce n'est pas le moment de barboter. Oh, faut que je les bute toutes avant le temps. Oh shit. Ok, là ça c'est notre paire de manches. Là, c'est pas de survivre autant. Faut buter tout le monde. Ok. C'était pas clair. Nous sommes encore dans l'eau. Allez. Je suis tombé dans l'eau. Il y avait plus de temps de toute façon.
Oui. Oh non! C'est un beau plomb. Je perds du temps. Ah, oh, je l'avais, mais je suis trop tombé longtemps dans l'eau. Je suis tombé trop souvent dans l'eau, sorry. Le moment de barboter. Comment? Nous sommes encore dans l'eau. D'autres? Il y avait une troisième vague? S'il y avait une troisième vague, c'était impossible. Les envoyer dans l'eau, c'est plus simple. Mais faut pas tomber dans l'eau soi-même. Ah, à chaque fois. Oh, mais je suis trempé maintenant. Ah là, c'est à cause du knockback du pilum. J'ai perdu trop de temps, j'ai trop tombé dans l'eau. Yes, on l'a eu, c'est le dernier. Bon. Hurrah. Par Hercule, vous avez retiré une garnison romaine à tout complet à vous seul. Bravo, vous avez retenu une garnison. Une légion romaine à vous tout seul. Oui, on l'a fait. Et on en a demandé. La 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 la. On est à Rome, comme les Romains, sauf que on est à poche. Oups. Oh. Et voilà. La 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 la. Bon. Ah, oh, mais attends un peu, c'est plus simple que ça. Y a-t-il quelque chose plus haut? Oui, non, peut-être.
J'ai entré dans le vestibule et j'ai tout vu. L'atrium est complètement inondé. On peut même pas rentrer dans le péristyle. Le péristyle ? Qu'est-ce que ça veut dire, Astérix ? Tout ça, pour moi, c'est du grec. Le Romain a un problème de plomberie, mon cher Obélix. Je crois qu'il a fait sauter un casquette. Ok, blower un casquette. Bon, je crois qu'il a pété un plomb, le Romain. Ils sont fous, ces Romains. Entrez l'atrium. Bon. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. D'accord. Bon, celle-là dit quoi? Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu et j'en ai eu plein le cul. Là, il va y avoir Alliage Actes, j'imagine. Oh oh! Ok. Je fais ça. Ah, j'ai raté la fontaine. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Oups. Ah. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Fontaine. Je peux même pas sauter quand je suis en fontaine. Fontaine. Ah, Obélix peut traverser sans problème. Ok. Bon. Ah, c'est l'entrée. Oups, je suis déjà été là. On est en train de backtracker. C'est pas là qu'il faut aller, Astérix. Mais les Romains sont venus. Oh, j'ai-tu assez de casque maintenant? 1142, je crois que oui. Oui, j'en ai assez. Par Toutatis, j'ai toutes les upgrades. Puis j'en ai assez pour me régénérer. Tain. Juste vérifier que j'ai tout. Non, pas ça. Ouais, Astérix, il y a tout. Obélix, il y a tout. J'ai entendu dire que sauter dans les tuyaux ne vous fait pas peur. Il y a une embuscade romaine. Ah, d'accord. Centurion pas loin. Sanglier.
Quand je petit goûter, je faire le plein de mini pizza et jus de raisin. Et quand mon solo il casse la tête, je suis le plus heureux de la planète. Oh, peut-être que c'est un mur qui se défait. Est-ce que c'est des murs se défait? Non. Est-ce que ce mur se défait? Non. Est-ce que je récolte tous les casques? Oui. Oui, je récolte tous les casques. Bon. Ah, il était là! Il était caché! Il manquait juste lui pour la nouvelle vague. Et voilà. Fait que dans le fond, le problème de plomberie, c'était juste un problème de Romain. Mes jardiniers se battent comme des guerriers. Ma foi, on dirait que Mars vous a envoyé. En fait, c'est notre druide Panoramix qui nous a envoyé. Non, n'emmerde pas Fake News avec cette vieille histoire, Obélix. Il doit nous dire le chemin le plus court pour atteindre notre but. C'est un autre problème de drainage. Quelqu'un essaie de saboter la journée de l'héritage de César. Cette fois-ci, Gaulois, c'est un petit peu compliqué, ou peut-être même impossible. Impossible? Mais rien n'est impossible. Bien sûr que c'est possible pour celui qui, l'homme qui a le cristal, le menhir de cristal, et ceux qui voyagent avec lui. Fake News, es-tu sûr que c'est le seul chemin qui nous mène vers notre but? Absolument, il n'y a pas d'autre chemin. Nous devons amener le niveau de l'eau à la normale. Sinon, les visiteurs ne pourront pas accéder au jardin près du palais. Ne t'en fais pas, Fake News. Nous avons la situation bien en main. Bien dit, Obélix. Oh. Accrochez-vous, Gaulois, comme qui disent, fluctuat nec mergitur. C'est Obélix qui aurait dit « Bon, nous avons la situation bien en main. » Bien dit, Obélix. Bon. À Rome, le pain est bon et les jeux sont beaux. Du pain et des jeux. D'accord. Dis Astérix. Il est où, César? Il doit se cacher quelque part. Je suis certain qu'il nous attend. Oh. À toi, Astérix. C'est par là qu'il faut que j'aille. Allô. Ça se rétracte. Ça s'en va là.
Oh, pour vrai, faut que je fasse ça. Je me demande, j'ai jamais réussi à... Est-ce que ça gèle? Oh ben tabarnak! Tout ce temps-là... C'est tellement plus simple! Quand c'est gelé! À toi, Obélix! Ça va être un petit peu compliqué, nous allons devoir trouver notre chemin vers le prochain atrium, mon cher Obélix. Ah, faut que je joue avec le niveau d'eau. Oh, Obélix a trouvé un os. Idée fixe. À toi, Astérix. Ok. Finalement, j'ai pas vraiment besoin de casque. Je sais même pas pourquoi je me... C'est d'aller ici, d'accord. Pardon. Si je fais ça, mais que je saute sur ces plateformes. Sauf que j'ai pas de feu. Sauf que j'ai vraiment pas de feu. Oh, il est fixe. J'étais direct dessus.
La sortie ne doit pas être très bien loin, Obélix. Tu as raison, Astérix. C'est le temps de sortir d'ici. Vite, Obélix. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Je fais ce que je peux. Monsieur Astérix. Qu'est-ce qui arrive si je remets le niveau d'eau? Elle est fraîche. Comment? Nous sommes encore dans l'eau. Ce n'est pas le moment de barboter. À toi, Astérix. Oh. À toi, Astérix. À toi, Astérix. Oh non. J'ai déjà pris ma douche ce matin.
D'accord. Ok. Je suis trop fatigué. Et voilà. Pouvez-vous le croire? Mes ennemis n'arrêteront à rien. Ils sont vraiment allés loin avec cette inondation de l'atrium. Comme Cato l'Ancien disait, personne ne respecte plus rien, Jean. Ils ont inondé l'atrium. J'arrive pas à le croire, avez-vous vu ça? Ces soldats ont bloqué l'entrée des jardins pour des raisons soi-disant sécuritaires. Moi, l'organisateur de cet événement exceptionnel, le gardien de tous ces jardins, je peux même pas passer. Je suis devenu persona non grata. Je commence à m'inquiéter. Les visiteurs sont bloqués par une rangée de soldats. Ne t'en fais pas, Romain. Si tu as besoin de cuire un sanglier ou d'éparpiller des soldats, mon ami Obélix est un vrai chef. Astérix, est-ce qu'on peut y aller maintenant? On y va. Je commence à avoir faim. Trouver un chemin d'atteindre la cour arrière du palais. Appelez ça ce que vous voulez. J'appelle ça du sabotage et je n'aime pas les saboteurs. Oui, ne perdons pas de temps, fake news. Continuons de l'avant. Astérix, crois-tu que fake news a raison? Oups. C'est l'histoire de César et ses ennemis qui essayent de ruiner la journée du patrimoine de César. Fake news est à bout de pression, il est sous stress, il voit les ennemis partout comme un obstacle mineur. Des obstacles? Comme une patrouille de Romaine? Cette ville est remplie de Romains! Je n'en ai jamais vu autant à la fois. Oh non! Il m'a eu! C'est où mon dernier save? Tu sais l'histoire avec le CHH? C'est pas le CHH, c'est le CHD, la journée de l'héritage de César. Je suis pas un bon angle pour me battre contre des Romains. Cette ville est remplie de Romains. Je n'en ai jamais vu autant à la fois. Thank you.
On est proche de la cour arrière du palais de César. C'est quoi une cour arrière, Astérix? C'est comme une ferme, mais sans les poulets. C'est comme une basse-cour, mais sans les poulets. Il y a de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. C'est rien. À toi, Obélix. Oh. Oui, avant de continuer, je voudrais remercier Angelic Wolf 1 d'être un nouveau follower. Alors, merci beaucoup, Angelic Wolf. Il avait fait ça pendant que j'étais probablement en train de raider ou quand j'étais avec une amie puis qu'elle a raidé quelqu'un. Et c'est ça, j'ai oublié de le mentionner. Alors, merci beaucoup, Angelic Wolf 1. Pardon. Bon, alors c'est par ici la basse-cour, ou la cour arrière comme qu'ils appellent, la cour arrière du palais. Ah, ok, faut qu'on aille là. D'accord, Astérix, lui, va aller là. Eh ben oui. Toi, Obélix. Ah.
Vous pouvez pas m'atteindre. Je peux aller là par contre. Je crois. À toi, Astérix. À toi, Obélix. Thank you.
Quasiment le mieux que je puisse faire, c'est me pitcher en bas pis that's it. Quoi ça? Ah, c'est la Switch. S'il y avait un feu portable, ça aiderait bien des affaires, mais il n'y en a pas. Je ne le vois pas.
À toi, Obélix. Pas que le jeu finisse de même parce que je tourne en rond et pour progresser faut que je brûle ça parce que je peux pas continuer. Mais Obélix peut pas se rendre ici. Il peut juste pas. Il est confiné au sol. Le plus haut qu'il peut aller c'est là. Et encore. Casser quelque chose, non? Oh, j'ai même pas vu ça, Calis. Ah, tout ce temps-là. Pas assez orange, pas assez éclairé. À toi, Astérix. Bon, alors si j'amène ça, je vais pouvoir... progresser. Oura. Je vois rien là. Ah non, ça c'est la switch qu'il faut que j'ouvre avec Obélix, ça c'est nul. Je l'avais fermé tantôt en pensant qu'il y avait une switch qui allait ouvrir. Non, faut que je ferme ça là. Désolé, c'est ma faute. Bon. Il y a une switch ici. Et de la bouffe. Et voilà, ça c'est la porte qui permet d'ouvrir Obélix. Et là, je peux taper du romain. Thank you.
Et voilà. Et ça, c'est ouvert. Et voilà, je suis dans la cour arrière. On est proche du palais de César. Est-ce que nous allons dans la bonne direction, Obélix? Mon médir me dit que oui, Astérix. Bon, elle là ne devra pas être bien loin. Donc le palais, il est par là. À toi, Astérix. Oh, yeah, Astérix. J'ai l'impression que mon menhir me dit quelque chose à l'oreille. Je croyais que c'était toi l'homme qui chuchote à l'oreille des menhirs, Obélix. Ah. Je ne plaisante pas, Astérix. Bon, et qu'est-ce qu'il te dit, ton menhir? Il me dit de rester sur mes gardes. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il me donne beaucoup de potions magiques, mais c'est pas comme si je m'en servais, là. Tiens, il y en a encore une, là. Je suis plein, là. Mes gourdes sont pleines. Mes deux gourdes sont pleines. C'est beau, c'est très symétrique. Comme dirait... j'essaie de d'isoler c'est quoi la fameuse citation là, de Merlin, là. Dans la... Grande magnanimité. Bon, alors... Oups. Ok, fake news est avec nous. César! Oh, Jules. C'est César Lueller! Salut, Jules! Gaulois! Ça va? Vous m'apportez un cadeau? Une surprise, peut-être? Non, pas une cette surprise fois, à César! Bon, eh bien, je vous laisse à vos retrouvailles. J'ai des jardins... Allez, j'y vais. Gaulois, à Eternum Valley. Eternum Valley. Nous sommes venus chercher. Elle l'a fini de rire. Et nous savons que tu la détiens ici, dans ton palais. En effet, je l'ai capturée afin de soumettre son peuple plus facilement. Et dorénavant, l'île de Tulé est sous ma domination. Non. Si vis passem parabellum, comme je dis toujours. Non. Si je vous ai laissé approcher, ce n'est pas pour que vous la délivriez. Si vis passem parabellum, c'est pas la paix pour la guerre. Snouf, ce schlips, ah. Donnez-moi cette pierre magique! Non! T'as vu Astérix? Il ne sait même pas que ça s'appelle un menhir de cristal. Silence! Les rapports de Marcus Sacapus m'ont donné une idée de la puissance de ce menhir. Et croyez-moi, je vais en faire bon usage. Mm-hmm. Tu comprendras, Jules, que nous ne pouvons pas t'offrir ce qui ne nous appartient pas. Mm-hmm. Ce roc est la propriété de Hella. Mm-hmm. Vous voulez jouer au plus malin, Gaulois? Très bien. Dans ce cas, continuons la partie. Allez, Jacques. Que les dés, le sort m'en est jeté. Bon, ben, c'est une embuscade.
Qui est encore en vie? Oh! Oui! T'es coincé, Romain? Laisse-moi te dead jammer. Intouchable. Un combo de 100... C'est vraiment un combo de 100 hits. Cette fois, Gaulois, vous ne m'échapperez pas. Ah, Marcus. Attention, Obélix. Cette pince veut prendre le menhir de cristal. Obélix, le menhir. Oh non. Obélix s'est tassé, mais le menhir a été ramassé. Trop tard. C'est une grue. Oh, il utilise la force, puis là, nous, bravo, on est à toi, encaissé Marcus sous glace. Tu as gagné un petit voyage en Gaule. Non. En Gaule? Comment ça, noble César? Tu vas nous accompagner, moi et mon armée, en Armorique. Ce sera ta dernière mission avant de revenir t'installer à Rome. Ah. Grâce au menhir de cristal, nous allons geler la marmite de potions magiques de leurs maudits druides. Oh non. Nous aimanterons ensuite toutes les armes de ces satanés Gaulois et nous réduirons ce village en cendres. Toute la Gaule sera enfin occupée. Toutes, César? Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on les enferme avec celles qu'ils sont venus sauver. Oh non! On est envoyé avec elle a fini de rire. On s'est fait chipper notre menhir. C'est pas cool. Oh, il est fixe! Tire la manette! Tire la manette! Oui, beau chien! Merci! Beau grâce chien. À toi, il est fixe, nous sommes libérés! On n'en fait pas trop, Obélix. Délivré! Tu as entendu César? Elle là doit être quelque part dans cette prison. Bon, on va trouver elle là, puis on va se s'échapper. T'auras tant de beaux orcidés fixes. Je sais déjà ça, Astérix, grâce à mon menhir. Oups. Hello, Noisight. How you doing? Oh. Uh-oh. Doing good, doing good. I'm dead. I'm back from work. I'm a little bit tired and... Oh. Cutscene. Merci. Grâce à toi, Idéfix, nous sommes libérés. On n'en fait pas trop, Obélix. Non! Uh-oh. Getting out of this jail.
This is the French dream. You already know Spanish, so you know half of the French word already. You just don't know yet. Hein? Coucou. Sois gentil avec la porte, le garde. Ah, c'est un message. Vous êtes... Vous m'avez peut-être enfermé, mais ma fille va vivre. Signé Vercingétorix. Ah, ça c'est une référence à la fille de Vercingétorix. Par ici! Ils ne doivent pas s'échapper! Oh! Ouais, non. 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 Pas tout de suite. No alarm. No alarm. No. No. No alarm, I said. I'm dead. I have to start over every time. Je recommence à chaque fois. Merci. Grâce à toi, Idéfix, nous sommes libérés de l'île. On n'en fait pas trop, Obélix. Oh, mais attends, si je sonne jamais l'alerte, j'ai pas à me taper les romans à chaque fois. Ben oui, je fais juste... Je suis sur moi, je passe à côté et vous ne me voyez pas. Je vois... Je m'en vais faire des courses, je reviens. Ce tombeau sera votre tombeau. D'accord. Mon menhir dit qu'on est chaud, Astérix. N'a pas ton menhir avec toi, Obélix. C'est-tu elle? Oui, c'est elle là. Elle là? C'est bien vous? Elle là? Oui, c'est moi. Ah. Mais vous, qui êtes-vous, Gaulois? Astérix. Et voilà mon ami Obélix. Nous sommes envoyés par Panoramix pour vous libérer. Panoramix? Vous avez donc reçu ma lettre? Rassurez-moi, le Schneffel El Gadjoukoul est toujours en sécurité, n'est-ce non. pas? On lui dit, Astérix, qu'on l'appelle Menhir de Cristal, maintenant. Heureusement, le roc sacré est désormais entre les mains de César. Et il va s'en servir contre notre village. Je vois d'ici les gros titres. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Oui. Oui ! Pas de sablier à perdre. Vite, trouvez le moyen pas de me pas de sablier à perdre. Ok, alors... Ok. Courage, fier guerrier de Vercingétorix ! Et voilà. T'es libre. Merci, Gaulois. Le temps nous est compté, Ella. La flotte de César est déjà en route. Mais nous n'avons plus le bateau d'Épine Maïs. Rendons-nous vite au port de Stille. Il y aura certainement un bateau pour aller jusqu'en Gaule. Nos héros firent donc le voyage jusqu'au port de Stille. Rome, c'est pas construit en un jour. Là-bas, après avoir trouvé une barque abandonnée, nos amis mirent le cap sur la Gaule.
un voyage durant lequel ils eurent le plaisir de croiser de vieilles connaissances. Un équipage pirates. Il est à noter que le flamboyant bateau pirate sombra mystérieusement juste après ces brèves retrouvailles. Bientôt, les côtes armoricaines furent en vue. Ok, on se claque pas le tableau bateau pirate. Ça aurait été cute, mais bon, c'était... normalement, on raconte un bateau pirate, puis cool, puis il se passe rien. C'est tout. Tiens, mais c'est Assurance Tourix, barde. Youhou! Assurance Tourix, on est là! Les Romains! Il y a une myriade de Romains de l'autre côté du village! J'espère que Panoramix a donné de la potion magique à tout le monde. Panoramix a été pris dans la glace. Les Romains sont équipés d'une grue et avec, ils manipulent le menhir de cristal qui dévaste tout sur son passage. Pauvre cher Panoramix. Ils ont aussi brûlé les réserves de potions et toutes nos âmes ont été attirées hors du village comme par magie. Ils semblent attendre les derniers renforts pour une attaque finale. Sais-tu où se trouve César, Assurance Tourix? Il observe tout cela de loin, visiblement ravi. Le village est submergé, Astérix. Nous allons devoir capituler. Non, nous devons nous battre jusqu'au bout. Viens, Obélix. C'est le moment de montrer aux Romains à qui ils ont affaire. Les Romains, j'en fais mon affaire. Et moi, je vais tenter de dégeler mon pauvre panneau. Panoramix. Cutscene. Okay. Maintenant que nous sommes seuls, César, j'ai une petite surprise pour toi. Tu vas voir, c'est très frais. Par Jupiter, ce capuce, qu'est-ce qui te prend? Il me prend l'envie d'être César à la place de César. Félon. Vici. Quelle belle journée pour se venger de César et de ce satané village gaulois. Je suis le nouveau César et c'est grâce à moi que toute la Gaule est enfin conquise. Tu n'oublies pas un petit détail, Marcus? Astérix, Obélix, mais que faites-vous ici? On vient libérer le village, mais on t'a vu transformer Jules en statue de glace. Je l'ai, Jules. Il est fou, ce César Sacapuce. Soldats, alerte! Ces Gaulois ont glacé le divin César! Légionnaires, à l'attaque! Ah ouais, mais ce serait tôt, hein. Bon, là, il faut battre la machine de guerre. Oui, la machine de guerre, je n'aime guère ces machins. Oh! J'ai-tu récupéré le... Non, c'est un simple menhir. À moins que... Non, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Il dit même où est-ce qu'il y a un X. Bon, alors, comment on tape? Oh, faut taper la chaîne. La grue même. Rendez-moi ce menhir par Jupiter! Il est à moi! Pas question! Je fais n'importe quoi avec. Non, je me suis fait piquer! De me l'enlever. Bon. J'ai d'autres sacs dans ma tour. D'autres tours dans mon sac. Oh là là. Astérix, ça va chauffer. Non, j'allais récupérer de la bouffe. Hey, j'adore le fight de la fin. Tiens, mais c'est Assurance Tourix, notre barde. On skip. On skip. Il a mon menhir, Astérix. Rendez-moi ce menhir par Jupiter. Il est à moi. Pas question. Tu fais n'importe quoi avec. Ah,
attention. Sanglier. Oh, je me suis fait enlever encore. J'ai d'autres sacs dans ma tour. D'autres tours dans mon sac. Oh là là. Astérix, ça va chauffer. Non. Yoink. Tiens, oh, mais c'est l'assurance Tourix. Non. Il a mon menhir, Astérix. N'importe quoi avec. Je suis trop fatigué pour faire ça. Dans ma tour. D'autres tours dans mon sac. Oh là là. Astérix, ça va chauffer. Tiens, mais c'est assurant si Tourix. Si j'utilise seulement Astérix, j'ai pas vraiment besoin de récupérer le menhir. Il a mon menhir, Astérix. Il va faire fuck it. Non, il est invincible quand il a le menhir. Si ça le fait pas voler. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça.
Après un certain point, il faut absolument la couverture de tir à bout portant. Il a mon menhir, Astérix. Il y en a un qu'il faut qu'il protège l'autre pendant qu'il attaque. Pas question, tu fais n'importe quoi avec. J'ai d'autres sacs dans ma queue. D'autres tours dans mon sac. Oh là là, Astérix, ça va chauffer. De la précision, une grande expérience. Non. C'est moi, le porteur du menhir. Non, c'est moi. Et il ne peut en rester qu'un. Attaque multiple. Tu veux mon avis, Astérix? Il en prend trop pour nous. Oh, là, ça se complique, Astérix.